Salut à tous, c'est Rakun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout début d'une nouvelle série. Ici, on est en compagnie d'Alex sur Studio 2. Salut. Yo. On se retrouve, bah, pour moi, ça s'appellera Pixelmon Mega sur un serveur. Bah, Pixelmon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de série Pixelmon, ça fait plus de 6 mois. À l'époque, ouais. J'avais même pas 100 000 abonnés, si j'avais à peine, ça me dérolait. Et donc, c'est parti. Pas, hein. Ouais, peut-être. Et donc, bah, d'abord, il va falloir choisir son starter, sachant qu'il y a eu énormément de nouveautés sur Pixelmon depuis que j'ai arrêté. Par exemple, il y a la nouvelle génération, la sixième, donc je vais prendre un de la sixième génération. Alex, ça fait qui ? Moi j'ai pris Frogousse, je sais pas comment tous. Grenousse ? Ouais, Grenousse. Donc je vais prendre J'hésite, Marisson, ah, il a l'air nul. Bon allez, on prend Marisson quand même, parce que c'est Marisson. Et comme vous pouvez le voir, attention. Eh. Il est shiny. Il est dégueulasse. Il est tout rouge shiny. Et Kruger, non, il y a un Tortank. Il y a un méga Tortank là. Ça va. Un méga Tortank. Ouais, j'ai et donc, un méga Tortank. Et notamment les méga évolutions qui ont été rajoutées dans cette version. Ah, mais il s'est barré. Tout à l'heure, il y avait un méga Tortank ici, j'ai vu. Non, j'ai pas un peu de lag. Donc, on est sur un serveur en fait. On est déjà pas mal là. On est 5 sur le serveur, mais oui. On sera peut-être un peu plus par la suite. Donc d'autres gens vont nous rejoindre. Donc c'est pas un serveur où on sera que deux. Ce sera pas forcément aussi un serveur où je serai toujours avec Alex. Hein. Donc pour l'instant, sur le serveur Pixelmon, tranquille, on va essayer de créer une petite ville ensemble pour s'amuser, pour faire des combats, créer des arènes peut-être à chacun. Ouais. C'est pas mal de choses à faire. On est donc sur la dernière version de Pixelmon là en 1.5. 5.1.1 la version. Et c'est la 5.1.1. Il y a des nouveaux légendaires du coup. Et par contre, je crois qu'il y a des BMX. Des nouveaux légendaires, notamment ceux de la 6ème génération. 4ème. On a aussi des nouveaux de la 4ème, ouais, c'est ça. Et puis des nouveaux de la 5ème, non ? Il y en a certains, non, je crois pas, non. Pas vu. Ouais. Il y en a certains. Et par contre, on sait qu'il y a. Comment il s'appelle ? Le Pokémon là, Itran. Qui a été rajouté voilà, lui qui a été rajouté vraiment en dernier. Donc toi, non, ok, je suis Tifeuille, c'est vrai. Bon, bah, je vais devoir essayer de m'en sortir. Tu verras, il y a pas mal de baies maintenant. Il y a des. Tu sais les baies que tu pouvais avoir en les lootant, tu peux les planter maintenant. Du coup, il y a plein dans les trucs, il y en a plein. Aussi, ouais, je connais pas du tout cette nouvelle génération, la sixième, mais vraiment pas du tout, donc je vais devoir apprendre un peu à m'y faire. Mais il y en a donc, pas beaucoup, cool, hein, la sixième. Découvrir peut-être avec moi. Fuelian, ça va pas être très puissant contre lui. Ah oui, ça va même pas du tout être puissant, mais bon, il est level 5, ça me fera quand même. Normalement, il je devrais vraiment gagner. Très peu. Hein. Merde, il m'a. Oh, il m'a déjà endormi. Il m'a déjà endormi, je combat. Le truc est plus nul, hein. Out, et je me fais presque battre par out. Bah, en même temps, je suis type plante, je fais des attaques de type plante, ça va pas aller très vite. Ah, Rafo a déjà rage kit. Ouais. Oh, mais en plus, il met plutôt mal. Non, je veux pas. Ah, mais j'avais charge, j'ai pas vu que j'avais charge. Normalement, c'est plus puissant, charge. Ouais, un tout petit peu plus. Non, c'est bon, je le tue. Voilà, donc ouais, j'espère vraiment que cette nouvelle série sur Pixelmon, pour tous les gens qui attendaient du Pixelmon de nouveau sur la chaîne, vous plaira. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à... Boum, 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 les petits likes, les petits drips vers le haut. Mais bon, si ça vous plaît, hein, je vous force pas. Je sais pas où t'es parti, Alex. Ah ouais, je suis parti un petit peu à l'opposé de toi, je crois. Est-ce que t'as un mode de minimap, toi ? Non, je l'ai pas pris, mais c'est pas grave, je le mettrai la prochaine fois, je le mettrai. Je suis à peine à 40 FPS, 45, ouais, moi aussi, 46. J'ai quelques lags, là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, je vais redémarrer Morricard juste après pour voir pourquoi ça fait ça. J'ai peur que ce soit Pixelmon qui l'a un peu trop. Non, je pense pas. Je vais regarder, ah, je suis en 32. Hop. De chunk. Ah, pourtant, j'ai pris Optifine, hein, mais j'ai quand même 2-3 petits coups ouais, de lag. Ouais, moi, 32 chunks, ça devait être ça. Voilà, tout le monde, c'est bon, j'ai plus aucun lag, normalement, ouais, presque plus aucun lag. En fait, j'étais à 32 chunks, donc ouais, ça explique tout à peu près. Donc maintenant, l'objectif, c'est peut-être de trouver un stand Pokémon, donc on va vraiment avancer. On va pas miner, je pense, dans cet épisode, peut-être un tout petit peu, mais bon, c'est pas le but. Alex, je sais pas du tout où t'es parti. Moi, je suis vraiment... Mais le truc, c'est que de toute façon, on va essayer de faire nos bases vers le spawn, quand même, hein. Ouais, mais pour l'instant, moi, je cherche un son de Pokémon, puis après, je reviendrai au spawn par la suite. Est-ce qu'on rajoutera certains modes, genre, par exemple, des modes... téléportation et tout ça. Ouais, pourquoi genre pas. Genre legit. Oui, legit. Tout le oui, temps. Bah si tu veux. Ouais. Ça pourrait être vraiment utile. Après, on peut toujours utiliser le Nether et tout comme ça. Hein. Ouais. Alors, moi, je cherche juste un centre Pokémon. Il y en a pas beaucoup qui spawn ou quoi. On aurait dû en faire spawn un au centre. Ouais, en fait, faire un on aurait dû. Ouais. Ah bah tiens, j'ai un des nouveaux Pokémon. J'ai un Meloric là. Moi, je regarde tout ce qu'il y a. Je connais pas du tout les Pokémon. Hein. Bah, je veux dire, les nouveaux Pokémon. Là, ça va, il n'y en a que des anciens. Normalement, aussi, ils ont refait les textures de pas mal de Pokémon. On verra ça au fur et à mesure, mais j'ai vu qu'il y en avait vraiment des vraiment classes.
On verra ça de toute façon. Là, j'arrive dans un biome où il y a sûrement des Pokémon. Chaque fois que j'y allais dans celui-là, je me souviens, il y en avait. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? Non, non, j'ai vu que Rafa s'était reconnecté. Moi, j'ai trouvé une petite prairie sympathique. Là, je pense, je vais m'installer ici. Attends, j'ai trouvé un truc plutôt cool. Qu'est-ce que c'est ? C'est des baies, ça ? Ouais, c'est des baies. Ouais, voilà, c'est... tu vois, c'est ça les trucs là. C'est des chérimes. Et on peut les replanter direct comme ça ? Ouais, tu peux les replanter au sol et ça va faire des plants. Ah ouais, bon, par contre, ouais, je l'ai planté et je peux pas le récolter, quoi. Ouais, mais ça sert complètement à rien, finalement. Si je casse en dessous... Ah, si je casse en dessous, je le récupère. Ok, parfait. Bon. Ah, alors, mec, j'ai un Dracaufeu shiny. Non, un Dracaufeu... un méga Dracaufeu... boss. Il y en a partout, en vrai. Tu verras, il y en a énormément. Des méga et souvent ils spawnent en boss. Bah en fait tous les méga ils spawnent en boss. Mais quand tu tues le méga. Est-ce que tous les Pokémon, genre qui peuvent être méga, ils spawnent quand c'est des boss, ils spawnent en méga? Ouais, je crois. Ouais. Okay. Mais tu chopes leur méga gemme en les tuant comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc oui, maintenant il y a méga évolution, ça va être assez ouf. J'ai pas pris ça à la mèche au tout début, sinon non. Ouais, moi non plus. Un coffre, tout ça, mais bon, au fur et à mesure. Ouais. Oui, ça a commencé. Merci. Et donc, oui, au fur et à mesure, je pense que je capturerai un Salamèche. J'essaierai d'en avoir deux, comme ça, pour avoir les deux méga évolutions. Ce sera vraiment, 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 vraiment cool. Donc, là, il y a des petits étourmis, tout ça. Mais bon, j'aimerais bien vraiment trouver un centre Pokémon, parce que pour l'instant, c'est pas ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le coin ? Ok. Bon, bah par là, il y a pas grand-chose. Moi, je pense que je verrai finalement. Au niveau de l'installation, je verrai où je vais me mettre. Au pire, on n'est pas obligé. Enfin, pas trop loin, mais pas trop overall. Ouais, mais on peut voir. Bah, si ça dépend ce qu'on build. Hein. Je sais que genre Adam, c'est pas lui qui va construire un énorme truc, quoi. Mais... Non, mais je cherche des... Yo, alors on se retrouve juste... avant le petit accéléré pour vous dire, alors vous verrez l'accéléré est différent, j'ai pas le même Pokémon de début et tout parce que j'avais déjà enregistré avec le mode, le replay mode, et ça a pas fonctionné comme je voulais, du coup j'étais obligé de tout refaire. J'ai tout refait en solo, sur un monde solo, donc c'est pour ça que j'ai pas le même starter et tout, mais au final le timelapse c'est le même, hein. Enfin l'accéléré est le même, j'ai juste dû le faire en accéléré et pas en timelapse, donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous plaît, puis bien du coup on se dit à tout de suite. Ok, alors hop, maintenant qu'on a ça, j'ai fait un petit timelapse du coup, je pense que vous aurez vu, de la construction, du coup, de,
de la mine. Voilà, alors j'ai pas mal miné aussi, hein. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire. J'ai récupéré tout ça, plus de fer que j'ai sur moi là. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... hop, on va faire une enclume. Et on va faire un healer, du coup, vu que j'ai un diamant. Il nous faut du coup un marteau, et on va éclater 4 petits aluminiums. Alors le marteau, ça se fait comme ça. Tac, tac. Non, c'est pas comme ça. Alors comment que c'était? Ah oui, non, je fais de la merde, c'est un autre mode ça. Voilà, tac. On vient mettre nos aluminiums, alors il en faut 4. Hop, et puis on va faire comme ça du coup, 4 fois. Enfin, c'est un peu long. Tac, mais du coup, il va nous en falloir 4, et puis après on va pouvoir faire du coup le healer. Alors ça, il finit l'épisode avec moi, voilà. Il a fini son épisode de ce côté, donc je vous invite à aller voir son épisode. Hop. Et puis après, on va essayer de faire évoluer notre Fouaki, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Du coup, j'espère que ça vous a plu, ce petit timelapse. J'essaierai d'en faire plusieurs comme ça, dans le même style, un petit peu tout le long de la série. J'espère que ça aura fonctionné aussi. Si vous avez rien avant, bah c'est que juste ça n'a pas fonctionné. On verra, hein. J'ai essayé de faire un petit accéléré, un petit timelapse sympathique. Voilà, j'essaierai d'en faire genre la construction de la base, des trucs comme ça. Hop, pourquoi pas la construction d'une arène, tous les trucs comme ça, j'essaierai de faire ça sympathiquement. Hop. On n'a plus que deux là, on n'a plus que West et... West et moi. Parce qu'il y a Rafo qui buguait. Adam, bah, il était avec Rafo, donc il a préféré partir avec Rafo. Pour pas le laisser tout seul. Et puis Blacky a fini son live dessus. Tac. Voilà, hop, notre petit healer. Alors on va bien le placer, ce serait con de le mettre à un mauvais endroit. On va le mettre genre ici. Comme ça. Genre je ferai un sort de Pokémon. Ok, ah, pourquoi ça l'a pas enlevé? D'accord, je crois que c'est le healer. C'est le healer qui a bugué. Ok, parce que tout à l'heure... Bah du coup, oui, mais je... Bah je le drop, parce que c'est pas... J'en ai 15, j'en ai pas 36. Hein. Voilà, bah du coup, on va essayer de faire évoluer notre Pokémon. On va essayer de faire évoluer sur des Magikarp, je pense que c'est la meilleure solution. Étant donné que c'est les moins faibles... les plus faibles. What? Ah, il y a un méga Florizarre là-bas. Je sais pas si vous le voyez au fond. Allez, on va aller le voir. Hop. On va aller le voir, le petit méga Florizarre. Viens rire. Bonjour monsieur. Il est énorme. Du coup, il doit avoir 5 niveaux de plus que moi, je crois. Quoi qu'il y a un niveau de plus que moi? Oh, il est au niveau 15 du coup. Il one shot, hein. La violence est présente. Qu'est-ce qu'on pourrait frapper, fighter? On va regarder un petit peu. Lol. Moi, méga Florizarre. Du coup, on va aller Apex un petit peu tranquillement sur les Magikarp, je pense, hein, c'est la meilleure solution. Et puis on va essayer de faire évoluer notre starter. Ça va être l'objectif. Alors je vais essayer, je pense, de le faire un petit peu Apex tranquille en solo. Et je vous retrouve une fois qu'il reste presque plus de niveau à passer. Je pense que c'est une des meilleures solutions. Ou à moins que je trouve un truc intéressant, on verra. Est-ce qu'il... Oh, attendez, peut-être qu'on va voir le légendaire. Peut-être qu'on va le voir. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, c'est un Latias, les gars. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous voyez là-haut le petit truc rouge là? J'ai pas le zoom. Ah, c'est un Latias là-haut, vous le voyez? Faut le voir presque pas, hein. C'est chaud. Ouais, je crois qu'il y a 10 spawns. Mais il y avait un Latias là-bas. Bon, on le voyait presque pas. J'ai pas le zoom, dommage. Voilà, hop. On va retourner à la côte. Latias. Du coup, voilà, on est bien placé, hein. C'est pour ça que je me suis mis là, parce qu'il y a pas mal de légendaires qui peuvent spawn, entre les Kyogre, les Lugia, les Latias, justement. Alors, on peut être pas mal, hein. Du coup, c'était le but. Bon, bah du coup, je pourrais faire une miniature putaclic. Non, je déconne. Mais, hop, bah tiens, on va fighter lui. Bonjour. Ah, niveau 17, il peut frapper, c'est abusé, ça. Ça me saoule, ça. Ça me saoule. Allez. Bon, du coup, je pexe un peu, puis je vous retrouve tout de suite après. Ok, heureux, j'ai trouvé une Master Loot, on va l'ouvrir. Alors, Dragon Pulse, c'est une CT hein, de type dragon, donc c'est vraiment fort. Du coup, je vais la garder. Alors, du coup, je me suis mis ici pour Pex, pourquoi? Parce que c'est simplement le type proche. Bon, alors, lui, est un peu fort, mais genre, lui, voilà, niveau 13,
C'est vachement pratique pour Tex, je gagne pas mal d'XP avec eux. Genre what up, tac, et du coup c'est vachement plus rapide. Alors il doit rester deux niveaux je pense à gagner avant qu'il évolue. On va rester ensemble du coup. Alors hop, on va évoluer, on va le faire, voilà, niveau 15. Et du coup il doit me manquer plus qu'un niveau et de réévoluer. On va chercher quand même un petit Pokémon du type Rakaillou, c'est pas mal. Lui là, ouais nickel. Hop, Water Pulse. Hop, une dernière attaque, et voilà, nickel. Ah, non, ça non, par contre, slash end battle. Hop, où est-ce qu'il... Il me faudra un dernier Pokémon de type roche. Oula, je me suis fait aggro. Oula, j'ai cru... Voilà, alors j'en ai trouvé un, c'est bon, hop, on va le buter. Et normalement, on devrait évoluer... Ah non, pas encore. Bon, il va nous falloir un petit combat encore. Je pensais que ça suffirait, mais non. Toi, là? Ouais, toi. Hop. Normalement, avec lui, ça devrait être bon pour évoluer. Oula. Ouh, je me tape des frises, c'est méchant, là. Je regarderai un petit peu après, parce que... Toi, là. Oui, toi. C'est quoi, ces frises? Please. Merci. Mais non merci, hein, c'est pas cool. Ah voilà, alors Water Pulse. Oh, fait mal. Water Pulse. Ouais nickel, non c'est bon, on devrait le tuer. Ok. Dernière attaque. Encore une. Voilà, il va évoluer normalement. Voilà, on va voir notre Grenousse évoluer du coup. Hop. En quoi va-t-il évoluer? Enfin tout le monde le sait mais... Suspense? Y'a pas la petite musique. Tristesse. Voilà, du coup notre Froaki évolue en Frogadier. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais du coup il est pas il est shiny. Apparemment il est shiny. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas nous on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Normalement ça devrait arriver bientôt étant donné que j'essaie de faire une vidéo par jour en ce moment. Peut-être que j'alternerai, peut-être que je vous mettrai... Demain je pense qu'il y aura un épisode de... De Waterblock, vu que j'ai vu que ça vous a plu le premier épisode, il est sorti aujourd'hui actuellement à l'heure où je vous parle. Voilà. En tout cas, nous on se dit à bientôt avec notre Frogadier pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao! Regardez-moi le, il est magnifique. Allez, ciao!